Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Défi 86, 54e vidéo du Défi 86. Aujourd'hui, on va parler de « J'ai décidé de m'écouter, mais j'ai peur. » J'ai peur, ça me fait peur, c'est... Bon, qu'est-ce que ça cache tout ça? J'ai décidé de m'écouter. C'est une très bonne décision d'avoir décidé de s'écouter. C'est la meilleure décision que vous avez pu prendre dans votre vie, c'est ça. C'est d'écouter ce qui se passe, ce que mon corps dit, ce que mon corps m'envoie comme message, qu'est-ce que mon âme réclame. C'est ça, en fait, hein? Parce que quand que on a des tensions, des douleurs dans le corps, même la maladie, c'est des symptômes que l'âme envoie pour nous parler, pour nous dire « Garde, t'es pas dans le chemin de l'amour de toi présentement. T'es pas sur le chemin de l'amour de toi. » Fait que pourquoi est-ce que j'ai peur? Même si j'ai décidé, j'ai pris une décision. OK, oui, j'ai pris une décision. Mais qu'est-ce qui me fait peur? En fait, c'est beaucoup de peur, mais si on regarde en arrière de ça, la plus grande peur, c'est de prendre sa place, c'est d'exister, c'est d'être obligé d'aller voir la souffrance de rejet qui est là présente. Et vous savez que la souffrance de rejet, là, on l'a toutes, tout le monde. On a tous la souffrance de rejet et d'abandon, mais à différentes intensités. Et pour la personne qui fuit, se retire. Il y a différentes façons de fuir. Hein? On peut fuir de bien des manières. On peut fuir non seulement dans l'alcool, les drogues et tout ça, là, mais on peut fuir dans la porno, on peut fuir dans le travail, on peut fuir dans le sport, on peut fuir dans la nourriture, on peut fuir parce que on se banalise, on se rejette, on va s'isoler. Il y a plein de façons de fuir et ça a toujours rapport à mon être. Ça a toujours rapport à moi par rapport à moi, à l'amour que je réussis à m'accorder, à la valeur que je pense avoir. Si vous avez peur, c'est parce que vous avez peur de ne pas le valoir. Votre estime de vous-même, votre valeur de vous-même est très, très basse. Vous manquez énormément d'amour pour vous-même. Ce que vous donnez à tout le monde, là, puis je suis sûre que vous donnez énormément à tout le monde pour faire plaisir à tout le monde, là, bien, à place de le donner comme ça, parce que ça va revenir comme un boomerang, OK? Ça veut dire que vous en donnez beaucoup, mais vous vous en accordez pas. Ça veut dire que quand ça revient toujours blessant. Ça revient toujours d'une façon où c'est pas très agréable. Puis la raison pour laquelle ça revient puis c'est pas agréable, c'est parce que l'âme, votre âme vous dit « Ce n'est pas dans l'amour de toi. Ce n'est pas dans l'amour de toi. » Donc, si vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos symptômes, vous osez avancer, assumez le fait que, oui, ça va déranger. Oui, ça va venir ébranler. Non, les gens ne seront peut-être pas nécessairement prêts à vous dire oui ou à vous octroyer ce que vous avez demandé, à vous écouter. Vous ne serez peut-être pas entendu du premier coup. Ça se peut, ça. Mais assumez le fait que vous vous accordez de l'amour à vous-même. Soyez pour vous, comme dirait Eudoxie à Dopo, là. Soyez pour vous ce parent aimant que vous auriez aimé avoir. T'sais, vous êtes adulte aujourd'hui, là. La petite fille en vous ou le petit garçon en vous, c'est lui qui crie. C'est lui qui demande d'être aimé. C'est lui qui demande d'avoir de l'importance. C'est lui qui demande d'être reconnu. Fait que, en tant qu'adulte aujourd'hui, de cet enfant en soi, on a le choix d'y accorder ça. Et ça, je peux le faire de façon consciente. Parce que la paix se fait dans la conscience. Tant que je n'ai pas fait de prise de conscience, je ne peux pas rien faire.
Tout passe par là. Fait que oui, je m'occupe de moi, mais de quoi j'ai peur? J'ai peur que ce que je pense de moi, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai peur que ce que je pense de moi soit révélé au grand jour, qu'on voit à quel point je me considère insignifiant ou insignifiante, que je me considère tellement peu important, que je me considère tellement peu. Point à la ligne. Mais, vous savez, vous avez tout intérêt à le faire. Vous avez tout intérêt à vous accorder cet amour-là, à vous accorder cette importance. On en a parlé dans les derniers jours, hein? L'amour inconditionnel, pourquoi on s'accorde peu d'amour et tout ça, là. Fait qu'on roule encore dans ce sujet-là, là. Mais ça revient toujours à ça, vous allez remarquer. Hein? Et si vous ne vous accordez pas cet amour-là, qui va pouvoir vous l'accorder? Qui va pouvoir vous l'accorder? Tu sais, c'est comme si, là, j'ai le chemin de l'amour, là, puis là, moi, je m'en accorde comme ça. Fait que ce qui passe là-dedans, là, c'est ce que je peux donner ou ce que je peux recevoir. Ben, je suis en manque. Je suis vraiment en manque. Je suis en manque d'amour. Pourquoi? Ben, parce que je ne me l'accorde pas. C'est à moi de me l'accorder. C'est à moi de me dire que je mérite. Puis, si ça peut vous aider, là, prenez ça sous cet angle-là. OK? Nous sommes tous des êtres divins. On est tous une parcelle de Dieu. On est tous, tout le monde. Même la personne que vous aimez le moins, OK? Nous sommes tous des parcelles de Dieu. Et nous méritons tous l'amour. C'est ça qu'on est venu chercher, en fait, hein? C'est cette expérience. On vit des expériences, tout simplement, pour venir s'accorder à soi cet amour-là. Faire la paix avec nos blessures. Donnez-vous cette chance. Donnez-vous cette chance, oui, d'avoir peur. Et si la peur se présente, ben faites-y de la place. OK? Parlez-y comme si c'était quelqu'un. Dites-lui, là, OK, je te sens, là, je le sais que t'es là, là. Je vais te laisser de la place, là. Je vais écouter ce que t'as à me dire, là. Puis, laisse-moi agir. Laisse-moi prendre soin de nous, hein? Laisse-moi prendre soin de nous. Fais-moi confiance, je vais y arriver. Je vais y arriver. Hein? Parce que la peur, c'est ça qu'elle vous dit, en fait. Hein? Ce qu'elle vous mentionne, c'est « Oh là là, je suis pas sûre, là, je suis pas sûre, là, je suis pas sûre. » Puis la peur, c'est souvent l'ego, okay? Le mental. Ça veut dire que lui vous a protégé de souffrance plus jeune. Puis aujourd'hui, il dit « Regarde, là, non, t'as déjà eu mal, là, va pas là, là, t'as déjà eu mal, là, va pas là, là. Hein? » Mais oui, c'est le chemin que je dois prendre si je veux soulager justement cette douleur-là. Parce que quand vous étiez petit, quand vous étiez petite, vous n'aviez pas cette possibilité ou cette capacité peut-être même à vous dire, à vous exprimer, à dire, garde, moi aussi je suis là, moi aussi j'existe. J'aime pas ça quand tu me parles comme ça, ça me blesse. On n'a pas appris à parler ouvertement et à se dire, à parler de nos émotions. Fait qu'on reste avec ça. L'enfant, nous, reste avec ça, avec le besoin de se dire et de s'exprimer. Et tu sais, ça, c'est une des choses que Marjolaine Cadot fait dans le septième ciel. C'est que là où on reste bloqué avec les messages, tu sais, c'est ici, là, hein? Les messages, puis là, le cœur et la gorge, OK? Que, parce que ma valeur et la gorge, donc l'expression d'être capable de le dire, d'être capable de le sortir, ça m'étrangle à quelque part. Là. C'est difficile d'être exprimé. Fait qu'elle, c'est ça qu'elle va faire. Au niveau du septième ciel, là, c'est qu'elle va venir chercher la libération de l'enfant en vous. C'est-à-dire qu'on fait comme une sorte de régression, okay, où on rentre un peu dans la peau de l'enfant qu'on était, puis on met un petit peu de côté l'adulte d'aujourd'hui, là, tu sais. Puis ça, c'est tout à fait conscient, là. C'est comme un jeu, en fait, qu'on fait, là, hein. Fait qu'on fait ça, et on se remet dans cette position-là où l'émotion est présente, et on va se dire. On va se dire, tout en ayant l'impression qu'on est dans la peau de cet enfant-là. Parce que ce qui est fantastique, c'est qu'au niveau des émotions, l'espace-temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps. Tu peux pas dire, hey, ça fait longtemps, ça fait 50 ans, là, tu sais, reviens-en. Non, non. L'émotion est là, puis c'est au présent toujours pour elle, là. L'émotion, elle est présente à l'intérieur, elle est
Parce que du moment qu'il y a un déclencheur, pouf, une étincelle, ça vient de se réveiller comme si c'était hier. Oui, parce qu'il n'y a pas d'espace-temps pour l'émotion. Donc, il est toujours temps d'aller guérir des blessures. Qu'importe le nombre d'années qui s'est passé avec ces blessures-là. Puis de toute façon, avec la blessure d'origine, c'est sûr qu'au fil des années, vous avez maintes occasions qui se sont présentées pour ramener cette blessure-là. Pour vous dire, garde là, t'as une occasion de t'en occuper. Garde là, t'as une occasion de t'en occuper. À chaque fois que vous vous sentez sortir de votre zone de confort, Daniel Blouin dirait ça, hein? Sortie de zone. À chaque fois que vous vous sentez sortir de votre zone d'inconfort, de confort plutôt, c'est le temps de l'élargir, cette zone-là. C'est de faire un pas en avant. Vous n'êtes pas obligé d'en faire 10 à la fois, là. Vous en faites un. Vous vous sécurisez dans cet espace-là. Vous pourrez en faire un deuxième, puis vous vous sécurisez. Ça se fait graduellement, les pas. On ne peut pas faire ça bing-bang comme ça du jour au lendemain, là. Mais il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à mettre le pas en avant si vous n'arrivez pas à mettre le pas en avant. C'est dans cet espace-là que le septième ciel agit aussi. Fait que c'est pour ça que c'est un cheminement de vie. Même si la formation est sur 7 semaines, ça, c'est la formation pour vraiment le chemin pour vivre le septième ciel. Mais on va bloquer à travers ce chemin-là, là, c'est sûr. Là, parce que je dois m'arrêter pour le vivre. Et pour le vivre, je dois régler des choses du passé. Et plus j'en règle, plus je me sens bien, plus la flamme va vivre. Fait que si vous pensez adhérer pour régler un problème du jour au lendemain, moi, je ne fais pas de miracle et il n'y a personne qui fait des miracles. Mais une situation que l'on vit présentement peut définitivement trouver du mieux-être très rapidement. Parce que c'est le chemin. C'est ça le septième ciel. Je vais mettre les informations en dessous. On est encore en période d'inscription. C'est encore le temps de bénéficier des rabais, c'est-à-dire que j'offre un 250$ de rabais pour toute personne, les 20 premières personnes, et pour les 10 premières personnes, une valeur de 500. Donc, vous avez le VIP, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'être accompagné aussi longtemps que vous le désirez par moi et les divers professionnels de la formation. Vous avez accès à la formation aussi longtemps que vous le voulez. Et vu que c'est vraiment un chemin de vie, c'est fantastique de le faire de cette façon-là. Fait que vous l'avez d'une façon tout à fait gratuite, là. C'est une valeur de 750$. C'est énormément de valeur. Et si vous payez en un seul versement, vous avez un autre 250. Fait que c'est 1000$, là. Mais vous pouvez le faire en 7 ou en 12. Puis là, de toute façon, c'est le VIP, fait que c'est du 12 versements, fait que c'est facile à faire. Fait que sur ce, moi, je vous dis à demain pour un prochain sujet qui m'a été suggéré. Demain, on va parler de BDSM. On va parler de pourquoi est-ce qu'on a besoin de BDSM, puis quel est le danger. Puis, fait qu'on va rôder un petit peu dans ce sujet-là demain. C'est ce qui m'a été demandé. Je vous dis bye. À demain.